Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Les amis, ce soir je suis très content, on va faire un truc sympa. Je me suis inventé un petit challenge dans ma tête que j'ai nommé le Jigsaw Challenge, ou Saw comme vous préférez. Ce qu'on va faire nous, ce soir, on va créer une famille de Sims et on va faire un parcours de torture qui sera le même pour les 4, 5, 6 Sims, je sais pas combien on va faire. On va créer la petite famille, ça sera Saw 6, évidemment le premier, Soda, Saw 7, Saw sûr évidemment, allez Saw Domi, allez ça sera Saw son. Et nous avons Jigsaw du coup. Donc les amis, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 épreuves et la dernière, ils vont se rendre dans la salle du banquet. La salle du banquet qui est la première épreuve de ce challenge. Lequel d'entre eux va décéder? Ils vont chacun prendre une portion du fougou de type médiocre. On va voir lequel d'entre eux va survivre. Attention, est-ce qu'il y en a un seul qui va décéder de ce plat? Est-ce qu'un seul d'entre eux... Elle va manger où? Elle va manger où? Attendez. Elle va manger où là? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Est-ce qu'un seul d'entre eux va décéder? Oh attention! Attention, il est en train de mourir. Nous avons perdu Saw 6, les amis. Saw 6 est décédé déjà. On a déjà perdu un Sims. Nous avons Saw Domi qui n'avait pas encore mangé. Saw Domi va-t-elle mourir? J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Oh, les amis, c'est incroyable. Nous avons qu'un seul décès pour cette première épreuve. La faucheuse qui vient chercher du coup Saw 6. Il nous reste 5 candidats pour la prochaine épreuve. Nous avons notre première Sims qui va pouvoir y aller. On va les faire aller directement dans les portes. Nous avons déjà perdu un Sims sur la première épreuve. Va-t-il y avoir des survivants? Ils vont tous se rendre dans leur salle. Déjà une salle qui sera inoccupée. Attention, désormais, ils vont chacun nourrir la plante vache. La plante vache va avoir une chance de les becter. C'est ce que nous allons voir tout de suite, les amis. Attention, ils vont tous nourrir la plante vache. Vont-ils survivre? Attention! Oh, attention, ils se font manger! Ils se font tous manger! Lequel d'entre eux va survivre? Attention, est-ce qu'ils vont tous être crachés? Attention pour l'instant. Oui, ils sont recrachés pour l'instant. Ils sont tous recrachés, mesdames et messieurs. Ah non, c'est parce qu'on n'a pas fait le gâteau encore. On n'a pas fait le gâteau, attention, c'est là l'épreuve du gâteau, les amis, c'est maintenant. On va tenter une deuxième fois de les faire nourrir la plante. Voilà, c'est là le gâteau, les amis. Mangez un gâteau, ça se fait déjà manger à ma gauche. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort, je crois. Ils vont tous mourir? Non, j'ai fait de la merde. Oh non, j'ai fait de la merde. Oh non, j'ai fait de la merde. Non, j'ai tout cassé. Non. C'est parti du coup. Ils vont pouvoir passer à l'autre épreuve. Ils vont tous se rendre ici les amis. L'objectif ça va être de tenir, on va dire, une minute dans l'eau glacée. Ils vont aller nager un petit peu, faire des longueurs. Il est 47 à 48. On les sort d'ici. On va voir si certains vont mourir de froid peut-être. Il y en a qui ont pas du tout envie de nager. Évidemment, il fait beaucoup trop froid. Je vois que ça commence à devenir aïe aïe aïe. On a quelqu'un qui va peut-être mourir. Soda, Soda qui meurt de froid. Saw 7 qui meurt de froid. On va les faire sortir. Oh là là, ils sont tous. Oh, c'est terrible ce qui s'est passé. Il y a eu 3 morts de froid les amis. 3 morts de froid, on a Saw son, Saw 7. Ah non, ils sont pas morts de froid encore. On peut les sortir, on peut les sauver. Ils sont pas morts. Oh si, on a quelqu'un qui meurt. Attendez, on va les faire rentrer pour qu'ils se réchauffent. Non, on a 2 morts. C'est catastrophique, attendez, j'essaye de les sauver. Oh là là, on a perdu Soda. On a perdu Saw 7 qui s'était mis au froid. Mais ça, c'est ma faute. C'est parce que j'ai pas mis de toit. Donc ils peuvent pas se réchauffer. Les amis, nous avons Saw son qui est décédé. Nous avons Saw 7 qui est décédé. Et nous avons évidemment Soda qui est décédé. Les amis, il nous reste 2 concurrents. Pourquoi il y retourne? Il retourne pas. C'est pas une bonne idée. Il reste Saw Domi et Saw sûr qui ont survécu à l'épreuve du froid. Je leur propose d'aller allumer un feu pour se réchauffer. Il leur reste 3 épreuves, on va attendre que la faucheuse s'occupe de tout le monde. Ils vont même pas combattre, je pense. Ils n'arriveront pas jusqu'au bout. Est-ce que Saw Domi, comme dans les pronostics, va gagner? Les amis, l'épreuve suivante est très simple. Elles ont chacune 6 objets à réparer et survivre à tout ça. Attention, vont-elles réussir à tout réparer, mesdames et messieurs, sans prendre de coups de jus? Ok, le premier est fait pour les deux. 1 sur 6 pour l'instant, mesdames et messieurs. 1 sur 6, sans prendre de coups de jus. Ils ont toujours froid, mine de rien. Ah ouais, c'est la vie, hein. Ok, le deuxième s'est passé. Le suspense est à son comble, mesdames et messieurs. Nous sommes bientôt à la fin de ce challenge. Oh, attention, Saw Domi a pris un coup de jus. Saw Domi a pris un coup de jus, mais elle a réussi à réparer. Non, elle a pas réparé du coup. Elle a pas fini de le réparer. Attention, pour l'instant, c'est Saw sûr qui a réparé 3 sur 6. Tandis que Saw Domi a déjà pris un coup de jus. Pour l'instant, Saw sûr qui a une longueur d'avance. Oh, et c'est Saw Domi qui a pris un coup de jus. C'est fini pour Saw Domi, les amis. Ça s'est arrêté plus tôt que prévu. Saw Domi qui prend un coup de jus et qui décède. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Saw sûr va arriver jusqu'au bout? Attention, maintenant, il faut que Saw sûr aille jusqu'au bout, les amis. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle a pris un coup de jus, attention. Oh, elle a découvert un incendie. Il faut qu'elle éteigne le feu, sans prendre feu, évidemment. Attention, elle a beaucoup de chance, parce que grâce à ça, ça lui en fait une de moins à réparer. Et maintenant, il lui en reste qu'une. Mais attention, les amis, elle n'a pas droit à l'erreur. Elle a déjà pris un coup de jus. Si elle en prend un dernier, c'est fini. Va-t-elle arriver jusqu'au télescope et aux météorites? Attention, elle est bientôt à la fin de la réparation de cette 6e gazinière. Est-ce qu'elle va y arriver? C'est réussi! Non, elle a pris un coup de jus! C'est fini! À la dernière gazinière, elle n'a pas réussi. Aucun des Sims n'a réussi à passer le parcours. Ils sont allés jusqu'à la 4e étape sur 6. Est-ce que nous ferons un volume 2 avec des nouvelles familles? Pourquoi pas?